chers amis téléspectateurs, internautes, blogueurs, Twitter, Facebookers et que sais-je encore, qu'est-ce que la discrimination ? Prenons par exemple les gens. Les gens qui, comme vous, comme moi, comme vous et moi, peuvent parler, discuter, exercer un métier, sortir en boîte, bref, vivre pleinement leur vie. Plaçons, si vous le voulez bien, un homme différent. Soit que cet homme est une femme, donc de sexe différent, soit que cet homme est d'une couleur différente, de nationalité différente, de race différente, d'état de santé différent, de langue, d'origine sociale, d'un physique différent, avec un grand nez différent, de longues oreilles différentes, une surcharge pondérale différente, ou avec des mœurs un peu olé olé différents. Alors, changement de décor, oui, hein, c'est une boîte de nuit. C'est une discothèque, le portier laisse rentrer les gens. Hein. D'accord. Oui, les autochtones. Les autochtones, d'accord. Voilà, voilà. Si, en fonction de ces différences, on adopte un comportement différent, alors on introduit des inégalités, des discriminations, ce qui, en Belgique, est répréhensible. Mais retrouvons dès à présent nos amis les fourmis. Oh, mes amis, bonne nouvelle! Nous sommes toutes différentes! Oui! C'est-à-dire qu'on a toujours dit que je ressemblais comme deux gouttes d'eau à ma petite sœur.